Gesamtkunstwerk bildet eine Schnittstelle zwischen Kunst, Religion und Politik und fordert uns dazu auf, ihre Beziehungen untereinander zu überdenken. Das neueste Album der Montrealer Rapgruppe Dead Obies mit dem Titel Gesamtkunstwerk wurde von eben diesem Konzept inspiriert, sowie vom 1967 erschienenen Buch Die Gesellschaft des Spektakels des französischen Künstlers und Philosophen Guy Debord. C'est un peu répétitif ta musique? La note, tu peux-tu la changer des fois? Ouais, depuis que je me suis fait donner ça, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec. Donne pas peur pour des mariages. Les deux Jagger Girls qui se marient, ils sont tatoués dans la tête aux fesses. Il marche pas, là, il est pas Là, on est à moins d'une semaine du premier show. Il y a 4 jours, en fait, je pense. 1, 2, 3, comme 4 jours. Je pense qu'on est comme excité. On a vraiment hâte que ça se passe, en fait. Moi, pour ma part, je suis laid back, là. L'état mental est absent, pour moi. Je suis fatigué un petit peu. Fais pitié, ça. C'est les choristes viennent de rentrer dans le loop. Ouais, je pense deux pratiques. Ouais, deux pratiques, puis le show est là. Fait qu'en deux pratiques, il faut qu'ils apprennent 15 tunes. C'est relax, c'est des pros. I felt like it was like something else. I don't know. Yeah. Okay. Guys. Oui, allô? Oui. Oh, est-ce qu'il y a un problème? En fait, je suis en route, là. Je suis au coin Atwater puis Dr. Penfield. Fait qu'on monte parc dans Pollon puis on débarque, en fait. OK, ben parfait. Il n'y a pas de problème. On t'attend, j'avertis l'équipe. Super. Merci. Les gars qui animent ça sont cool puis tout. Fait que des fois, tu sais jamais, tu vas te présenter puis faut que tu expliques c'est quoi le rap puis pourquoi. Pourquoi t'as ta place, je sais pas trop, là, où tu recommences du départ, là. Pourquoi tu t'appelles Yes McCann? Je vous appelle comment, Jean-François? Yes ou Jean-François? Jean-François, c'est fait déjà. Ah, mais tu sais, mais c'est parce qu'à un moment donné, je me sens mal, là, il y a un nom d'artiste. Mais pourquoi Yes McCann, d'ailleurs? Oh! Envoie du collectif de Dead Obies, il fait pleurer les pop québécois à travers le monde, grand dame de Christian Rioux, accueillons Yes McCann! Je sais que vous êtes en préparation d'un prochain spectacle, en fait, les 14, 15 et 16 octobre prochain. Vous allez, en plus de faire un spectacle, vous allez enregistrer un album devant public. On s'est comme cassé la tête un petit peu à faire un album concept où l'album, le concept n'est pas nécessairement dans les paroles de la chanson ou la musique, mais plutôt dans l'exécution du projet en général. Vous avez fait beaucoup parler de vous à cause de la langue que vous utilisez dans vos albums. Est-ce que vous faites la promotion de votre album ou vous faites la promotion de la, je dirais, de votre raison d'être?
des critiques de musique ou des journalistes, ces gens-là, leur médium, c'est l'écriture. Ouais. Donc, ce qu'ils voient avant la musique, ils voient l'écriture. Il y a cette nuance-là qui se perd lorsqu'on interprète juste le texte. Puis le rap, ça vaut rien si t'as pas la musique, si t'as pas ce beat-là en arrière. Puis je roll the next one bigger on the shark cartier on la. Got a whole damn city on la. And we smoking, and we rolling. Hey, je suis loud. J'ai le piton de te mettre loud, malade. Yeah, mets-moi dans le pied. C'est quoi les difficultés d'un show comme ça? Y a pas de difficultés techniques tant que ça. C'est plus au niveau de la performance pour les Dead Obies, en fait, que ça va être le gros défi. Mais comme on a trois soirs, on est padé un peu. Donc, montage de votre show, messieurs? C'est dans trois jours, j'espère que vous êtes prêts. Comme on s'était parlé, on imaginait un beau plancher lumineux ici pour le public et la réalité nous rattrape, nous a rattrapés en fait. Et la capacité de la salle était diminuée en mettant un plancher lumineux ici présent dans la salle. Donc, c'est vous qui allez être sur le plancher lumineux. Plus de lumière sur vous, on le sait, vous êtes des putes à fame, hein? C'est ça, oui, c'est ça, c'est ça. Le concept que le public est au centre de l'attention reste. Quand le public va arriver au FI mercredi, nous, on va les attendre dans la merge de l'autre bord avec notre setup de photoboot. Fait qu'on va venir capter ces gens-là. Et durant le spectacle, on va leur faire la surprise, en fait, de réutiliser le footage durant le spectacle. Fait que ça reste. Tout ça va encore amplifier l'idée que c'est le public qu'on regarde durant ce spectacle-là. Ouais, ben c'est pas mal ça. Fait que s'il y a des questions, venez me voir. Si vous êtes heureux, venez me voir. Si vous êtes pas heureux, c'est JC. On va au Centre Phi, on est là trois soirs. C'est un show. On enregistre, mais c'est pas un album live. C'est pas, on enregistre ça, puis on met ça en marché, le résultat de ça. Prends ça, puis Vince va retravailler ces affaires-là en studio. Ça avait beaucoup d'ampleur au début dans nos têtes. T'sais, vu que c'est un travail de band aussi, c'est d'être capable que ça plaise à tout le monde, d'essayer de reach les standards de tout le monde. Après ça, moi, je suis assez méticuleux dans ce que je fais. Je le vois sur papier, le concept, mais j'ai l'impression que ça va être vraiment une expérience assez unique. Là. Techniquement, c'est faut être rigoureux. T'sais. On a comme des tunes qu'il faut suivre, qu'il faut enregistrer, puis qu'il faut surtout avoir sur le grid pour pouvoir post-prod avec ça. On se rend compte qu'avec le band, il faut repartir du début un peu. Il faut s'assurer qui comprennent ce qu'il faut faire pour cette tune-là, plus que juste de l'interpréter, en fait. Si je comprends bien ta question, là, c'est genre... Tu rentres quand on veut. C'est GF. Là, après GF, il y a comme un genre de 8 bars de juste I-hat. C'est ça. Après ça, moi, je rentre, ça fait comme un... Oh, Lord! À ce moment-là, ça serait nice. On cherche à me prouver. Un de 20 de 20 de retrouver, right? Là, on commence. Je sais pas mes bars. Non. C'est pas là. D'abord, je vais juste penser à mes bars. Dans ce genre de show-là, le soundcheck a souvent aucun rapport avec le show parce que l'énergie du soir fait en sorte que les gars vont rapper plus fort, tout va être plus fort, tout va être plus excitant. Fait qu'il faut toujours se donner une marge de manœuvre pendant des soundchecks. Sinon, t'arrives au show pis... commence à neuf quasiment là. Ah ouais, fait qu'est-ce qu'on serait prêt pour se faire un bass drum, genre? Attends, juste avant de commencer, je vais juste aller faire un tour sur le stage, voir comment c'est seté. OK. T'as-tu fait le tour là? C'est. Ouais, le drum est tout beau. OK. Merveilleux. Alors, je sais pas si je connais leur réputation, mais je connais la vibe. Ce qu'ils sont capables de donner. J'ai vraiment hâte. Je m'attends à l'émeute. Je t'haïs, man. Steven, regarde, je t'ai laissé rentrer là, aujourd'hui. Là. Reste doux. Les trois premières tunes sont en arrière de l'écran. Trois premières tunes en arrière. À la fin de la 12e tune,
il arrache le kabuki. Ouais. Ça drop, puis là, après ça, les trois dernières tunes, il n'y a plus d'écran. Le concept de l'album, c'est vraiment parti d'une idée ou d'un désir esthétique qui était de taper un album live. Sur quel angle on pouvait partir sur le spectacle. Puis ben, c'est là que je suis tombé sur la théorie de Guy Debord, de la Société du spectacle. Les phrases qu'il y a là-dedans où il parle de « dans un monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux », tu peux faire un album là-dessus. Je pense pas que le but, c'est de dénoncer. C'est du rap avant tout. Puis c'est pour ça qu'il y a pas comme de blâme, il y a pas de dénonciation. C'est aussi de cette manière-là qu'on a approché ce projet-là en étant juste 100% honnête. Un autre truc qui est dans l'album, qui est dans Everyday, dans le verse à Joe, j'ai pas de leçon à donner à personne. Yo, bro, c'est, man, c'est pas qu'une Julie dans le shit. J'suis pas chaud pour vrai. C'est juste que je pratique mon Olivier Guimond. Mais la Céno est vraiment, vraiment great. Je suis terrifié. Terrifié dans le bon sens. Les projections 3D, c'est-tu 3D? Mais c'est parce qu'on est en arrière de l'écran, fait que ça donne l'impression que c'est 3D. Moi, ça me faisait sentir comme si j'étais dans Internet à un moment donné. Ouais, carrément. D'après moi, c'est de ça que ça doit avoir l'air quand t'es un gigaoctet, mettons, un truc de même. C'est la première fois où on était tous ensemble. C'est la première fois où on voyait ce que GPG avait fait pendant que nous, on était en train de monter la musique. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on s'entendait rapper le show aujourd'hui avec des vrais moniteurs. Fait que Joey est coupé! Il est plus dans le band. Mais il fait la merch, par exemple. Mm. C'est lui qui fait toute la merch. Si ils parlent cac, on les flush. On est parti rien que sur une gosse. Là, y'a plus de place, mes notes. Roule en 4-4, pis y'a 4-20, pis j'ai 4 papilles en dessous. Pis on garde la base dans le. Y'aura pas de party sans notre cash. J'envoie chier ton Kodak. Y'en a pas de call, est-ce que j'fais cash? Fuck me, homies on! Tu sais, c'est ça. Non, mais quand tu faisais des records dans les années 70-70 puis t'étais en studio, ça prenait une musique malade, non? Mettons, à la grosse limite, tu peux quasiment muter les verses puis les refaire en studio. Puis non, 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 non. Ils sont trop tight. C'est fucking sick. C'est la première soirée. J'ai l'impression que les gars vont être stressés. Ça va être assez fou avant de rentrer sur scène. Je sais pas s'ils vont prendre le temps de se fumer des gros battes comme ils font d'habitude. Avant de rentrer, j'essaie quand même leur déconseiller, peut-être, pour la première soirée, de garder ça calme au niveau de l'inhalation. Yeah. All right, guys. Booze, baby. Booze. Yo, des fois, à la fin, quand je me brosse les dents, je suis plus ou quoi que son camp. Alors, c'est le grand moment de vérité, messieurs. Non, mais êtes-vous stress, là? Est-ce que vous chiez dans vos pants un peu? Non, pour vrai, il y a plein de monde en bas, c'est fou. Fait que juste se rappeler, donc, notre cue visuelle, Vince. Toi et moi, au début, quand tout le monde est set up, quand t'es prêt, flashlight, puis that's it, man. Bon spectacle. Mon spectacle. That's it, that's it. That's it, man. Ça va être très fou. Je suis très heureux de faire ça, pour vrai. Ça va être de luxe. That's it. Si jamais ça marche pas, au pire, t'es viré. Je suis viré. C'est bon, man. C'est bon.
je suis là, page. Tu es là, puis là. Ça fait du sens? Ça lag, Ben. Je te corde la foule, là. Ouais, je le vois bien, mais ça, c'est intermittent. Non, mais je sais pas quoi dire, page. Moi, j'ai, on est branché comme exactement où il faut être, là. Mais ça lag encore? Pas très long. Oui, ça lag. C'est réglé? C'est rebranché, mais on a un problème de signal. Ça sera pas très long. On peut pas faire la captation sans ça? Il y a deux caméras principales, puis c'est comme une des deux. C'est vraiment important. Là, page. Ouais, je l'ai, ça lag pas. C'est bon, ça marche pour moi. Est-ce que les gars qui filment me confirment qu'on peut faire entrer les artistes sur scène? Mais on peut starter show, je suis là. PA, okay. Confirme que oui. OK, donc je vais donner le go à Anne-Charlotte et à GTG. Roger. Thanks, Dan. Thanks, Sully. Bravo. Bon show, les petits boys. Tournée la 3. C'est pas notre premier barbecue, là. On sait comment ça marche. Moi, je te flippe la saucisse comme un chef. C'est une bye 2. Take 2. Bye 2, take 2. On est encore les meilleurs ou quoi? Bye 3, take 3. Bye 4, take 4. Bye 1, take 1. Bye 2, take 2. Bye 3. Bye 1, take 1. Bye 6, take 6. Bye 7, take 7. Stand by, c'est quand tu peux. Just let me get high, quand tu peux. Prends mon temps, moi je suis rendu. C'est en Chris Wellness qu'on est rendu dernier. Un petit bain, le vent est matter of fact, I was born ready. Short stack, it's the point of panic. Could do it all, they heard it. Trois yeux fermés, deux ménages, oh, when I smoke that dope. Why give a shit, I'm gonna get up done and y'all show we can talk money. Check ton langage, pense comme on tire dans l'eau. You mon goody, fuck you baby. Comme si elle mon beau, and I'm out like that. Bye 6, take 6. Bye 5, take 5. Bye 1, take 1. Bye 4, take 4. Bye 3, take 4. C'est un party backstage. Putain, gros hook. Putain, gros hook. Real aquatique, ouais, tropical. Toucan, moto marine. Puis ça a donné de quoi de très amusant comme track. Connect, six boys collect. One boy recalls, one call collect. Just don't forget, I got dough to get. More shows to win, more dough to get. Moment de silence pour nos haters. Bonne chose à faire. Fuck it, the boy, the card is junk, my card is my bug, not shot it. My puppy's done it, fuck about it, the bed, my crack it. Everybody a tall, baby, c'est ça le problème. T'as pas de time, on doit prendre le love, that's what mama told me. I've been down, I've been running, just check me Jordans. The chicken bunnies, ils sont prêts à prendre, c'est plus prêts à baller. Là j'ai mon team, là j'ai mon team, ouais. En plus de ça, j'ai un little dough for the week, mon. Lil Money, en fait, sur le record, c'est un des points de repère, mettons, que le crowd a, c'est-à-dire c'est un track que t'as déjà sorti. C'est un des premiers tracks qu'on a fait, c'est de l'énergie brute. Je pense que nos fans, ils ont ça comme qualité, en fait, d'être quand même pas mal ouverts au nouveau. Tu sentais tout le temps l'énergie du crowd qui était là. Il y a pas de spectacle sans public. On est là juste parce qu'il y a des gens qui nous supportent. Des capacités de notre groupe qui sont pas juste nécessairement un groupe de rap qui sort un mixtape ou whatever. C'est beaucoup dans la démarche, je trouve, puis c'est là que ça s'est concrétisé, je trouve, sur ce projet-là. Puis je trouve pour notre carrière, après, on verra. Hein, puis on fait pas de la musique pour vendre des disques. On joue pas de game, là. On fait ce qu'on fait, puis on verra.
si je pouvais m'acheter un char, mettons, dans 6 mois, ce serait cool.